Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premièrement, je m'excuse pour mes cheveux, mais je vais très rapidement régler le problème, vous allez voir. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est en plein dans l'actualité. Comme vous le savez, actuellement, il va y avoir bientôt le Black Friday qui a été décalé d'une semaine. Moi qui l'attends depuis genre le mois d'août à peu près, je suis un petit peu deg. Car comme vous le savez, je dois aussi refaire mon PC, le rendre un peu plus puissant pour les montages en 4K et tout. Et là, actuellement, maintenant, il rame, ça fait 4 ans que je l'ai, donc les composants commencent un peu à se faire vieux. Même si ça va encore, franchement, c'est raisonnable. Mais j'ai envie de le rendre plus puissant pour gagner en productivité. Comme vous le savez, la Black Friday elle prend plus en plus d'ampleur en France et elle bat toujours des records en termes de vente. Mais franchement, c'est pas si étonnant qu'on voit comment les marques jouent à fond dessus. Ils font des pubs, ils font des prix très attractifs, ils cassent les prix et on peut faire vraiment de belles économies. Et qui dit justement produit très attractif avec des belles réductions dit forcément réaction de personnes qui deviennent totalement folles, même capables de taper, de se battre pour avoir le produit de leur rêve. Alors je sais bien, on attend toute l'année, on a des prix de ouf, mais il faut peut-être pas abuser non plus. Ça me fait un peu penser, ou je sais pas si vous vous rappelez, il y a une année, il y avait une promotion sur le Nutella dans je sais plus quel magasin, et les gens se frappaient pour du Nutella complètement cinglé. Et donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va regarder ensemble des compilations de vidéos sur l'événement du Black Friday, et vous allez voir des réactions complètement folles. Bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On agrandit la communauté. On perd pas plus de temps, on y va avec la première compilation. Let's go. Non, mais là, c'est un truc de malade. Oh! Mais vous vous rendez compte ou quoi? Mais ils les vendent à combien? Mais ils sont malades! Oh! Mais c'est quoi ça? Ah, le mec il est en détresse, il sort en détresse! Mais c'est normal, mais c'est des malades! Bien sûr, ça se passe aux États-Unis, hein, vous l'aurez compris. C'est choquant de ouf! Oh! Bah attends, on dirait carrément des catastrophes naturelles là, hein, par contre. Mais c'est des malades, mais c'est dans le magasin ça! T'avais pas lâché le produit, hein! Mais c'est dingue! Oh la vache, mais regardez les gens ils filment, mais moi ça me choque en fait. Je pensais pas que c'était autant en fait, c'est... En fait c'est vraiment n'importe quoi. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il va dans les pattes. Non, non, mais quoi? Oh la sécurité en PLS, mais forcément ils sont en train de tout défoncer. Ils poussent à la mort. Oh, mais regardez-moi, mais en fait c'est toujours la même chose, mais c'est impressionnant en fait. Mais attendez, mais même le mec de sécurité, il est tombé. Oh. Je suis désolé, mais ça me met tellement mal à l'aise de voir ça. Mais c'est quoi ça? Mais non, mais c'est dingue. Non, je stoppe. Je stoppe cette vidéo. Non, clairement, je stoppe cette vidéo. Je comprends pourquoi ils disent que ça peut choquer. Hein. C'est, sans mentir, ultra choquant. Genre vraiment. On dirait que c'est carrément une catastrophe naturelle ou alors des attentats ou quoi. Ça fait le même effet, genre effet de groupe où tout le monde s'enfuit et tout, on dirait. Un peu comme si c'est l'apocalypse, quoi. Non, mais c'est dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Je pensais que ça allait être des petites vidéos drôles quand même sur des gens qui s'embrouillent ou quoi, ou pour voir à quel point ça peut être un peu marrant, mais. Ça fait peur, ça fait froid dans le dos. J'aimerais pas du tout être là-bas et vivre ça, moi. On dirait qu'on redevient des animaux, en fait. On va relancer une deuxième vidéo. Ok, donc là, ouais, c'est pareil, c'est des gens qui se battent. Mais attends, mais regardez, mais je me demande à combien, mais what? Mais c'est des fous, hein. Mais c'est quoi, c'est des télés, des écrans? C'est là des écrans d'ordinateur ou quoi, hein. Mais le mec, il a tout défoncé, le mec en orange, là, il est content, hein, c'est bon, il donne à sa femme. Non, mais c'est un gros malade, hein. Ok, donc là, le magasin, il ouvre. Donc les gens, tranquilles, ils prennent leurs affaires. Ah voilà, d'accord, là ça commence déjà à être n'importe quoi. Regardez, regardez. En fait, l'effet de masse, ils se battent. Oh la vache, pour des télés, hein. Regardez. Et les gens, les employés, ils renvoient les personnes, hein. Ils disent de faire le tour, hein. Plus comment les gens les transportent, on a déjà des fourmis, là. Vous voyez les fourmis, comment elles transportent les objets, ben là c'est la même chose. Mais les télés, je suis pas sûr qu'elles soient encore en très bon état, hein. Vu comment il est claqué tout partout. What? Oh non. Oh non, ça me choque. J'avais jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ces images. Je pensais pas que c'était autant. Je pensais vraiment pas que c'était à ce point-là, en fait. Mais regardez les gens, comment ils attendent à la porte. Et vous allez voir qu'ils vont tout défoncer, c'est sûr. Attendez, mais ils ouvrent une toute petite porte, la porte elle va se faire déboîter, c'est sûr. Regardez la porte, comment elle est en train de bouger. C'est sûr qu'ils poussent tout. Oh frérot, cadre, mets ton flanc là. Je vois rien, je vois le truc. Regardez la foule, comment elle pousse. Mais les portes sont en train de se faire défoncer, les portes. Les portes sont en train de se faire défoncer, je répète. Les portes sont en train de se faire défoncer. Regardez le gosse. Qu'est-ce que le gosse, il a besoin d'être là, en fait? Pas du tout. Donc le mec, il a chopé, je sais pas ce qu'il a chopé. Mais tout le monde veut son truc. Je sais pas ce qu'ils disent, que je suis nul en anglais, mais ça s'embrouille sec. Oh. C'est vraiment la foule qui est trop impressionnante. Regardez. En plus, les gens, ils sont contents. Hein. Les gens qui filment, ils rigolent. Mais comment tu fais pour faire payer les gens, en fait? Les gens, ils payent pas, c'est sûr. Ils divalisent et ils se cassent. Là, je sais même pas ce que c'est. On dirait des trucs claqués, en plus, qu'ils prennent. Hein. Ils en prennent 2, 3. C'est dingue. L'autre, il en a pris 2, le mec. On lui en prend 3. Allez, vas-y.
Mais c'est dingue, Event Staff. Genre, ils ont mis un mec avec un petit gilet jaune avec le nom Event Staff, genre en mode comme s'il peut faire quelque chose face à 50 000 personnes dans le magasin, quoi. Oh my god. Pardon, je parle comme eux. Oh là là, on dirait un concert. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais attendez, mais regardez comment ils se battent. Mais c'est quoi encore? C'est un Fisher Price. C'est un jouet Fisher Price. Non, mais c'est dingue. C'est un jouet, quoi. Ils sont en train de se battre pour un jouet. On est d'accord là? Pour un simple jouet. Oh, elle l'a piqué au gosse. Globalement, moi, je vais m'arrêter là, hein, les gars. Parce que je pensais avoir une vidéo drôle à regarder tout. Pas du tout. C'est pas du tout drôle. Vraiment, les mecs, ils se battent, ils sont là, ils se frappent. Ils donnent la peste pour de merde. C'est incroyable. C'est hallucinant, en fait, tout simplement. J'enlève mon casque, j'entends des nus. C'est pas du tout drôle. Faites la Black Friday, mais sur internet, alors comme ça, vous avez votre produit. Puis si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Commencez pas à vous battre, c'est pas la peine. En fait, comme l'objectif, il a des courbes qui allongent les membres, ça va rien dire ce que je dis. Bon, laisse tomber ce que je dis, cette explication, mais on dirait que j'ai des bras qui font toute la pièce. Et c'est très impressionnant. Bah, du coup, c'est de la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Surtout, faites attention à Black Friday. Ne faites pas comme les États-Unis. C'est la jungle, clairement, c'est la jungle. Si cette vidéo, elle vous a plu quand même, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. C'était aussi la première vidéo avec le double cam, le plan plus serré du H5 et le plan large du R6. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire pour ce référencement. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.